Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus Retro et on est directement en combat. J'ai le nouveau petit projet à vous présenter sur Dofus Retro et comme vous le voyez, on est en gourlot. Voilà, voilà. Donc je vais d'abord finir le combat avec vous. On va essayer de dropper les poutres de gourlot en un petit tia, les gars, Blitzkrieg. Donc ça va être sympa. On valide le kill sans problème. On a la capture qui est lancée. On va se mettre en qualité. On va voir si on tombe la poudre. Alors, je crois qu'on peut même en dropper plusieurs. Et juste après, je vais commencer à vous parler du pourquoi, qu'est-ce que je fais là, tout ça, tout ça. Donc, déjà, est-ce qu'on a une petite poudre d'XP? Je vois qu'elle a 2 millions. J'ai mis beaucoup de temps parce que j'ai un peu fait mon coup. Est-ce qu'on a la poudre? Oui, on a la poudre. Alors, il y en a une. Je crois qu'on peut en avoir plusieurs. Mais en tout cas, on en a une et c'est déjà très, très bien. Donc, oui, c'est bon. Il n'y a rien d'autre à vous dire. Alors, les amigos. On va aller se rendre directement sur Dofus Book Retro. On est actuellement au week-end double XP, là, du 21 mars. Là, on est samedi, tout simplement. Et du coup, ce que je veux vous montrer, c'est du côté de l'atelier. Voilà, qui est ici. On a, en fait, une certaine liste de ressources à compléter et ce pour les stuff des deux cras. Voilà, donc pour l'instant je me focus que sur les cras. J'aimerais, vu qu'on a le double XP, en fait c'est super, ça permet, vu qu'il y a pas mal de ressources à drop, de drop et en même temps d'XP un peu plus, sachant que voilà, la panneau, enfin le stuff prévu, il est quand même assez haut niveau vu que on joue avec la panneau Borker Gladiator. Bon, ça c'est très connu, hein, sur 29 tout le monde fait ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, et du coup ces niveaux, regardez, pour le cas 189 et il y a beaucoup de choses. Voilà, tout est ici les gars, et j'ai déjà un petit peu complété avec ce que j'avais et il me manque encore un paquet quoi, hein, de ressources. Parmi justement, je vous parlais là, les poutres de gourlot, tac, il y en a, elles sont ici, il y en a besoin de 20. Voilà, donc c'est pour ça que je suis un petit peu sur automé en train de dropper les premières ressources. Voilà, je vais y passer un petit moment. Après, je continuerai avec le tinryl. Il y a besoin, voilà, les armes de tinryl qui coûtent assez cher également. Ça fait XP. Donc voilà, là c'est parfait. On profite du double XP. Ça me permet. Voilà, je me suis chauffé un petit peu là. Donc c'est assez cool. Comme je vous dis, je me focus sur les cras. Le stuff est nu, pareil, je peux vous le montrer. Ça sera pour plus tard. C'est 179, donc c'est un peu avant. Mais bon, très, très classique avec la panneau sous-bois là. Voilà, trois items avec du Minotote, le Doro, le Black que je garde. Ouais, voilà. Très simple, mais ça je verrai plus tard. Ouais, je focus sur les cras parce que j'aimerais avoir les cras bien, bien solides là. Il y a déjà beaucoup rien qu'avec les stuff des deux cras, quoi, hein, comme vous avez vu. Voilà, voilà. On va faire une petite vidéo où voilà, je vous montre un petit peu ça, quoi. On va taper quelques DG ensemble. Je l'avais fait déjà pas mal pour les Doro, le Black, notamment les DG Automail. Et là, voilà, ça va être l'occasion. On en profite avec le double XP. J'ai, comme vous voyez, déjà pas. Les saphirs, là j'en ai. Je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai les 50, donc ouais, c'est tout. Mais ouais, il y a pas mal de trucs à faire. Les Minotas, je pense que j'achèterai, je pense pas en faire. J'ai les Minotaurs, toutes les ressources Minotaurs, ça, il n'y a pas de problème. Il y aura, ouais, du Scarabosse doré aussi, ça, j'en ferai des donjons pour les Carapaces et surtout les Elfes à 60. Donc ouais, on a du boulot, les gars, on va faire ça tranquillement. Donc on est en jeu. Je vais enchaîner, tout simplement. Je vais vous montrer un petit peu les XP, le drop, tout ça à chaque fois. Et puis, voilà, on est parti, ça fait plaisir. Ok, les gars, deuxième gourlot qu'on va se faire ensemble. J'ai un seul petit jol sursis, là, mais bon. Ça, au niveau d'XP, on avait Blitz, on a pris 2M+, sachant que Blitz, c'est 145, je crois, pour cent. Donc là, ouais, je sais pas. Bon, on verra. De toute façon, c'est surtout au niveau du tinryl qu'on va XP. Là, c'est vrai que l'XP sur le gourlot, elle est pas insane, mais bon, tranquille. Le plus important serait que je drop une petite poudre, ça serait cadeau. Après, on récupère les clés aussi pour justement aller au tinryl. Bon, d'abord, il y a le Rasboul, et après, il y aura le tinryl. On verra ça juste après, on valide le kill sans problème. On va se mettre en qualité pour le pestacle. Allez, c'est validé. La capture, c'est validé aussi. Putain, au moment où je l'ai tué, j'ai fait capture. À un moment, c'est ok. Voilà, elle est là, la poudre qui tombe sans problème. Un petit 1,5 million d'XP en moyenne, ouais, c'est ok. C'est ok. Avec le x2, hein. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Franchement, je sais plus si on peut réellement en avoir deux. Mais en tout cas, on en a une, c'est parfait. C'est actuellement 300, 400 000, genre, sur Agmazer. Donc bon, ça va, ça va, ça va. C'est beau, hein, parce que toutes ces ressources de boss, là, gardent leur prix. C'est incroyable. Alors, les gars, j'ai un bon double tchal. Là, j'ai Blitz plus LM. Ça a mis énormément de temps, parce que le monsieur gourlot a... Ok, il a pas mis les restes. Bon, attendez, je reviens. On refait tourner, apparemment, il a pas voulu. Ok, alors là, normalement, on va voir le tonneau, mettre les... Je sais pas pourquoi, des fois, il les met pas. Ah non, il m'a tué un coffre, quel dommage. Bon, c'est pas grave. On va quand même avoir un très bon double tel qui va nous faire bien XP et sûrement bien drop. Et j'ai normalement la confirmation, un guild 2 là m'a dit qu'a priori, ouais, on peut drop plusieurs poudres, les gars. Donc, ouais, ça serait sympa. Voilà, voilà, les dégâts, hein, toujours présents.
grâce aux cupidités. Hop là, et voilà le kill, rien qu'avec les crânes. La capture, on confirme, elle est lancée sur les nids. Pas de problème, on se manque et hot. Allez, c'est parti. Let's go. Est-ce qu'on va réussir à faire la double poudre du coup? Ça serait génial. Moi, j'en veux au moins une à chaque fois. C'est déjà. Regardez l'XP. Hein. 3,5 millions. Très très sympa ici. Allez, les gars, la petite poudre. Imaginez avec ce double tiers, je drop pas la poudre. L'aléatoire sur Dofus. Mais non, sérieux. Pas de poudre avec. On avait, les gars, là, 230%. Et on n'a pas drop de poudre. Eh ben écoutez, c'est le jeu, au moins on a eu la bonne XP, donc c'est déjà ça, tant pis, non mais voilà, c'est les choses qui arrivent, voilà. Allez, nouveau kill de Gourlot le Terrible, on n'a pas de tchal cette fois-ci, donc on va voir. De toute façon, juste avant, vous avez vu, on a fait 3 milliards de tchal, on n'a pas eu de drop. Donc là, ça va faire le petit contraste, nos tchal drop, vous allez voir, ça va être marrant. Ça va être ouf, on va même en dropper deux, vous allez voir ce que je vous dis. Notez bien ce que je vous dis, je revérifie, j'ai déjà vérifié. Le petit soin de fin qui fait plaisir, voilà. On ne termine pas, on va terminer avec un petit ténu en seulement qualité supérieure. Et c'est parti, hop, 155, ça avance sur les énus. Petit à petit, alors, pas de poudre ici, on dépasse tout juste le million. S'il te plaît quand même la poudre, s'il te plaît, genre... Pour le beau jeu, qu'on rigole. Bah oui, voilà, qu'on rigole un coup. Vous voyez? Non, mais ce jeu, il est incroyable. Hein. L'aléatoire, franchement, c'est ouf. Donc, je me plains pas, évidemment. Je suis juste en train de dire que juste avant, j'aurais dû en avoir 3 comme ça. Bref. Allez, on continue. Bon, un seul petit million d'XP, mais comme je vous ai dit, c'est pas encore à cette étape-là. Là, bon, c'est toujours un peu d'XP qu'on peut prendre, mais surtout Tinryl plus Rasboul qu'on prendra pas mal d'XP. Voilà. Les gars, je viens de découvrir un truc trop bien. On peut dropper un rubis, enfin du rubis. Apparemment, mais du saphir. Je sais pas sur quel mob c'est, si c'est sur le film, le Barbossa, le Sparrow, le Canorda. Mais en tout cas, sur l'un de ces mobs, on peut dropper, voilà, rubis, peut-être saphir aussi. Ok, c'est cool. C'est toujours quelques kamas, ça, c'est sympa. Voilà, c'est marrant, je vous montre. Non mais voilà, je vous... Bon, j'ai encore fait un petit gourlot du galérien, là. J'ai perdu un crack, carrément, à un moment, il s'est fait TP, tout le monde était un vie, le gourlot, il était un vie. Alors là, ok, ça va, je tape pas trop fort, parce que du coup, je crois qu'il a 400 de faiblesse, voilà, 1050. Il faut juste que je passe pour remettre la capture, j'ai mis la capture trop tôt, j'ai dû attendre que ça se finisse. Donc là, ça va être bon, on va le finir au moins interdit. Waouh, le Rox. Waouh, les gars. Alors, la capture passe. Est-ce qu'on va quand même dropper encore une fois? Ce serait drôle. La poudre, malgré qu'il n'y ait pas de challenge. Le suspense. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Yes! Elle est là! Il reste une petite ligne pour y croire. Ah non, c'est la dernière. Nice! Bon, bah, cool. Encore une fois, sans malheureusement challenge. Donc, l'XP n'est pas vraiment au rendez-vous. Mais au moins, on a la poudre. Donc, c'est génial avec la capture qui est là. C'est parfait. Le contrat est rempli. Il me reste là à faire 4. Allez. Courage. Ok, les gars, je suis sur le dernier gourlot de la soirée. Voilà, du samedi. Ça ira pour aujourd'hui. Il faudra que je fasse un petit peu quand même demain. Que je profite du week-end double XP. Sur le Tinryl et le poton va passer avec les énus. J'ai un coffre qui s'est fait tuer au passage, je crois. Bon, c'est pas très grave. Et ouais, et par contre, j'ai encore pas de tchal. C'est dommage. Mais bon, de toute façon, on l'a vu. J'ai pas besoin de challenge, moi. Lol. Allez, on tue tranquillement avec les petits cras. Ça va pas passer, là. Ça va être limite. Ça va être très limite. Est-ce que les énus font le kill là? Voilà, les tonneaux ont fini de jouer. Et ça va pouvoir le faire. Bon, attendez. Oh, ça y est, on roll son allée. Il a pris des faiblesses, c'est vrai. Allez, oh là là, il est compliqué ce combat. Bon, on passe en quête ici. Let's go. Est-ce qu'on va encore dropper une poudre sans le moindre challenge? Ta-ta-ta. Cette fois, je sens que non. Ouais, non, cette fois, non. Non, faut pas déconner. Bon, écoutez, voilà, c'était pas terrible. On n'a pas pris trop d'XP. Bon, on a pris, je sais plus, j'ai commencé 151, je crois. Ouais, bon, voilà. C'était la première partie. Je pense que je continuerai un petit peu de mon côté, les gourlots. On va faire une deuxième partie, troisième, sur le Rasboul et nos amis, les Tinryl. Voilà, les potes. Ok, les gars, on est reparti. Cette fois-ci, on enchaîne avec les Rasboul majeurs. Alors là, j'ai pas de tchal. Cette partie-là, ça va vraiment être l'XP. Donc, j'ai coffré, mais je vais même pas capturer parce qu'au niveau du drop, c'est pas insane. Et l'XP est pas mal quand même parce qu'on a quand même 2,5 millions sans aucun challenge grâce au x2. Donc bon, les petits drops, je mets les coffres et tout parce que ça a pas des valeurs ouf. Mais bon, c'est cadeau donc on les prend. Voilà, bah écoutez, maintenant on va enchaîner un petit peu ça. Là, c'est surtout l'XP qui est très intéressant de regarder avec les tchats, les différentiels que je vais pouvoir réussir à faire plutôt. Voilà. Du coup, on va enchaîner juste avant sur le dernier
Gourlot que j'ai fait. Regardez, je vous mets le screen à l'écran. Pas de challenge, c'était assez marrant. Et du coup, c'est très bien parce qu'on a la confirmation. On peut dropper plusieurs poules. J'en ai eu deux sans challenge. J'avais un énu qui était mort et tout. J'essayais là, un chacun de son monstre d'un coup. Enfin, c'est parti un peu n'importe comment. Mais voilà, bah, écoutez, c'est super. Ça fait un bon petit bilan. Donc là, on commence les race boules. On est niveau 153 sur l'écran. On va continuer d'avancer. Et puis, objectif. Donc là, pour l'instant, j'ai 8 clés, les gars. Bah, je fais les 8. Et après, ça sera 8 inreal. Plus d'ailleurs, j'ai déjà une clé. Donc voilà, voilà, les gars. C'est parti. Ok les gars, deuxième seal, le Razboul majeur. Cette fois-ci, on a un challenge en nature à gage. Donc 95%, ça fait à peu près bah, deux fois plus d'XP que tout à l'heure. Soit je pense qu'on va pouvoir tabler dans les 4 millions d'XP, ce qui est sympa, n'est-ce pas? J'avais Blitz aussi, j'aurais pu le tenter. Peut-être pas les deux. Non, 5 millions. Putain, propre. Propre, propre. Bah ouais, j'avais 2 M5, donc ouais, x2, 5 millions. GG, nice. Avec les petits coffres qui apportent les petites ressources, ça fait des gammas. D'ailleurs, il y a quelque chose que je peux vous montrer dans le donjon. Alors, on a 156 sur tous les ennemis, sauf lui, ça va pas tarder. Tac, sur les ennemis, je vais vous montrer ici, en qualité haute, tac. Je capture en fait la salle où il y a deux moufafa, parce que la crinière, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était le cas avant. La crinière n'est pas évidente à dropper et coûte un certain prix, j'en ai même pas sur les ennemis là. Et ouais, du coup, deux donjons, deux petites captures, j'ai toutes les captures gourlots aussi, ça m'en fait 8, c'est pas mal. Sachant que, je sais pas combien j'ai de poudre exactement. Mais pas loin de la dizaine, donc sachant qu'il m'en faut 20, j'aurai pas loin de ce qu'il me faut. Voilà, les crinières ici qui coûtent assez cher, qu'il fallait dans la Doro le Black, qui est, voilà, ici. Voilà, voilà. Ok les gars, nouveau Sylph, le Razboul majeur, pour une XP qui va être sympa avec ça, l'élémentaire, donc dans les, voilà, toujours 5 millions. Donc je l'ai déjà dit, hein, de toute façon, là, on regarde vraiment que l'XP, là, c'est vraiment la session XP. Sur les Razboul, on aura un peu plus de suspense sur le Tinryl avec l'XP et en plus le drop rare, parce qu'on a les ombres de Tinryl qu'il nous faudra, qui est un drop pas évident à choper, donc ouais, on verra ça. Là voilà, on chope toujours un peu de drop et surtout ouais, l'XP qui est bien sympa. 154 les crabes, voilà, ils viennent de up, c'est cool. On continue, bon, je serai très loin encore du 189 qu'il faut pour les crabes à la fin du week-end de XP, mais bon, on avance un petit peu et surtout bah, on drop aussi ce qu'il nous faudra, donc... c'est cool. Alors les gars, on tape les Razboul pour l'XP et justement, bah là ça tombe très bien parce qu'on va être servi en termes d'XP. On a un double challenge. On va essayer de pas faire. Ouais, c'est bon, on va valider. Regardez, double chal. Les petits d'abord. Elitis, c'était sur le Razboul, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que j'ai perdu deux énus dans la mêlée, mais c'est pas grave. Regardez, 6 millions 6 sur les cras. Donc 6 millions 5 en moyenne, très 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 clean. Nice, regardez, les belles lignes de drop au passage, avec les petites crinières fleuries qui tombent, une petite là. C'est cadeau, ça fait plaisir, nice. Bah écoutez, parfait. Donc 5 Tinryl, je pense que je vais arrêter là pour les Razboul parce que je veux taper les Tinryl sous double XP. Donc je vais aller faire ça. On espérera dropper les ombres de Tinryl, même si je pense qu'il m'en manquera. Après, il y aura les captures. Donc il en faut, je crois, 6 pour l'instant déjà pour les deux cras. Donc on va faire ça. C'est parti pour les Tinryl. Je suis en post commentaire les gars, parce que vous verrez, là, j'en ai fait 5 en tout des Tinryl. Et sur les 3 premiers, le micro n'a pas été record. Donc je vous fais ça en post commentaire. On est parti. Pour le premier, du coup, on a un bon petit challenge contamination pour commencer. Donc là, voilà, vous avez compris l'idée. Drop des ombres de Tinryl, qu'on espère. On en a déjà une là, avec une très jolie XP. Du coup, et c'est ça le deuxième point, c'est la très jolie XP. Et là, avec 125%, du coup, on a 7 millions sur l'écran. Donc c'est pas mal. Une première ombre, est-ce qu'on va en avoir plusieurs? Il me semble qu'on peut en avoir plusieurs sur le Tinryl, un peu comme les poutres de Gourlot. Et donc forcément, c'est ce qu'on espère. On regardera à la fin les prix de tout ça. Et justement, waouh, quel suspense je vous ai mis! Waouh, quel joueur! Et du coup, ouais, une deuxième ombre sur ce premier Tinryl, ça fait plaisir. On peut également en avoir 3, voire 4, voire 5. Pas ici, pas tout de suite peut-être. Ah, du coup, on enchaîne. On a un deuxième Tinryl à 100 challenge malheureusement. Est-ce qu'on aura la petite ombre quand même? Donc voilà, 100 challenge, ça fait du 3M5 environ. Lénie, je pense que je lui mettrai une Dragoon parce que j'ai envie que l'écras soit toujours, même si j'ai envie que l'écras up vite 189. Est-ce qu'on va avoir l'ambre? Non, on n'a pas d'ambre là-dessus. Mais du coup, ouais, Lénie, je lui donnerai sûrement la Dragoon pour qu'elle, enfin pour qu'il prenne un peu d'XP, un peu plus d'XP, parce que là, c'est vrai qu'il est toujours un peu en dessous. Troisième capture avec pas de tial encore, malheureusement. Des fois, il y a des tials, c'est très compliqué sur le Tinryl. On a une petite armée T, les petites ressources, et on a une ombre qui tombe. Donc là, on est content. Alors, on reprend les Tinryl cette fois-ci en direct, désolé hein, pour les premiers où j'ai pareil que le son du micro. Mais, vous savez quoi, on se reprend avec, je pense, la meilleure tenta, puisque là, on a 85 plus 75%, donc on a 160%. On avait fait 125, je crois, avec contamination sur le premier.
Donc là, l'XP risque d'être très sympa et peut-être, je crois hein, qu'on peut drop, je sais pas combien, jusqu'à combien on peut drop d'ambre, mais je pense qu'on en aura au moins une, je l'espère. Et l'XP, du coup, déjà très sympa avec 8 millions. J'ai bougé un peu le pourcentage pour les faire venir à égalité. Voilà, là, c'est à peu près bon. Du coup, allez, les ambres, est-ce qu'on en a? S'il vous plaît, Dofus. Sachant que j'en ai eu sans faire de tchal, là, on a fait notre record de tchal. Si on n'en a pas, c'est une blague. Dofus, l'aléatoire de Dofus. Yay, yay, yay. Bon, bah, dommage. Mais en tout cas, très belle XP, c'est cool. Bon, les amis, on va terminer sur ça finalement. Je comptais en faire deux, mais on va en faire plus qu'un. Voilà, ça ira. On a un petit tiers. Les petits d'abord, donc ça devrait être assez cool. On a tout qui est là, on valide. Voilà. Donc, de toute façon, en termes de ressources, j'aurai ce que je veux normalement. Avec, voilà, les captures. On va voir déjà là ce qu'on peut rajouter. La pierre qui est validée. CM7 d'XP sur les crasses, c'est très bien. Allez, est-ce qu'on a la dernière petite ambre? Ça serait bien quand même. Et non, pas d'ambre malheureusement. Bon, écoutez, on en a eu. On a fait le doublé quand même. Bon, c'était pas en direct, du coup. Enfin, j'avais pas le commentaire en direct. Mais ouais, bon, écoutez, ça va. C'est cool. Bon, finalement, je suis pas allé très loin en termes d'XP. Hein, j'ai fait quand même pas mal de trucs, pas mal de donjons, mais c'est vrai que bah, les cras ne sont que niveau 156, donc j'en suis encore loin du 189. Mais voilà, je vais continuer à le faire. De toute façon, j'ai tellement de farm à faire qu'avec tout ce que j'ai à farm, je vais continuer à bien monter. Donc ce que je vous propose, bon je vais pas faire ça tout de suite, mais on va faire un petit peu un bilan sur tout ce que j'ai eu. Nous revoilà Bonta pour le bilan final de cette vidéo avec, du coup on a tapé une dizaine de gourlots, on a tapé 5 sylphs et 5 tinrils si je dis pas de bêtises. Donc au niveau des ressources, les voici, ça nous fait 7 poutres de gourlots, donc pour les ressources rares, et 3 ambres du tinril. Après on a beaucoup de ressources hautes, vous voyez, qui ont un certain prix. On va regarder très rapidement ensemble un petit peu chacun des prix, enfin pas tous, mais rapidement quelques prix qui peuvent être intéressant, qui coûte hein, ça fait faire des kamas tout ça, vous allez voir. Du coup j'ai 7 poudres, j'ai un bro de la guilde, on était pas mal à aller sur Tomai, qui tapait des gourlots aussi, et il m'a donné ses captures parce qu'il s'en foutait, donc c'est super cool. Je vais les taper, je lui donnerai le surplus de poudre qu'il me faudra, mais voilà. Bon, de toute façon je pense que j'aurai là les 20 sans problème. Les ambres, j'en ai eu 3 avec les captures, je pense que je devrais pouvoir en rechoper au moins 3, on verra ça. Et puis bah voilà, c'est à peu près tout hein. C'est tout ce qu'il me fallait au niveau des ressources rares et chères sur Tomai. Après voilà, il y a pas mal de petits trucs, vous allez voir, on va regarder un petit peu ensemble parce que ça représente quand même pas mal de kamas tout ça, genre déjà bitouf. Alors j'ai pas du tout regardé encore hein, les prix, voilà. je savais hein, je m'amusais à coffrer pendant tout le donjon, je voulais, je sais pas si je voulais, j'ai eu le temps de vous le dire ça, mais ouais, ça c'est ressources, regardez hein, 328 000 les 10, on en a 30, donc 1 million là dessus les écorces, on verra ça au niveau du bûcheron juste après. On a aussi les poutres, donc les poutres c'est combien? Les poutres de gourlots, du coup, bon je vais les utiliser hein. Mais voilà, pour vous donner une idée, ça représente quand même 400 000 kamas unité. Les ressources gourlots, sinon je crois que c'est pas genre l'étoffe. Ouais, l'étoffe on s'en fout un petit peu, le morceau. Ouais, bon c'est quand même quelques kamas. J'en ai combien là? Les morceaux 60 qu'elle voyait. Bon, il y a pas mal de kamas, les flibs aussi, donc pour faire dans l'ordre, avec d'abord l'arche d'automaille, les touffes rousses. Voilà, c'est un petit 10 000 KU, c'est cadeau, x 50 quoi. Ces ressources là, je pense, c'est pas ouf. Ensuite, Kido par exemple, pour les ressources du Rasboul. Donc c'est pas incroyable ça. Oui, ce qu'il fallait regarder, c'est les crinières. Les crinières, c'était je crois 15 000 kamas, 25 000 kamas, yay. Ouais, c'est pas mal du tout. Sachant que j'ai les captures, j'en rechopperai. Donc voilà, il y a quand même pas mal de kamas de gratter là. Avec le drop, ça fait plaisir. Talon d'Achille, c'est pas ici. Et pour Rasboul majeur, ça, je crois hein, que ça coûtera un. Ouais, un petit 20 000 quand même, les ressources du Rasboul majeur. Je vous disais, c'était pas incroyable. Mais il y a quand même quelques kamas à gratter. C'est à peu près tout à ce niveau-là. Les bâtons du Guébris, ça, je sais que ça coûte aussi un certain prix. Voilà, 15 000 KU. Enfin voilà, franchement, c'est ça, c'est cool. On en profite pour XP, pour drop, faire des kamas. Et au niveau du bûcheron, vous allez voir. Alors, sachant, je crois qu'il m'en faut les écorces, là, notamment, de floribond, tout ça. On peut regarder directement ici. Genre, du coup, nous, on a un peu tout, là. On a de l'écorce de... l'écorce 90 000 KU. Ça, il est faux, ça, je crois. Donc, ça, ouais, voilà, pour les ceintures torées, il en faut 25... Attends. 25. Ah donc ouais c'est ça, il m'en faut 50. C'est bien ça. Bon donc ça j'en aurais même pas assez vu que j'en ai que 12. Ah ouais, bon ça on verra les gars. Les écorces de nerf, ça je crois pas en avoir besoin. 20 000 KU, chien dent 15 000 KU, floribonde 27 000. Enfin voilà, franchement on est assez sympathiquement bien. Les écorces du tinerie de 38 000. Qu'est-ce qu'on a d'autre à regarder? Donc pas ici, racine, ouais c'est à peu près tout. Donc voilà les gars, on va aller voir les ambres du tinerie combien c'est. Et puis bah ça ira pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu les amigos. Un peu de drop, pierre précieuse, ombre d'une tinerie, boum, hein, 320 000. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, les amigos, on se. Il y a aussi, ouais, ça.
Corail magistral, ça a toujours peut-être un petit prix sur le corail or magistral, voilà, un petit 45 000, pourquoi pas. Donc les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on continue, on continuera ça dans les prochaines vidéos. Je vous propose, j'essaierai de faire une vidéo un peu sympa, un peu sur la même idée que celle-ci, où on ira faire les différentes zones pour compléter la liste des ressources. Il va falloir que j'up aussi les crash, je sais pas comment je vais m'y prendre, mais voilà, je vais le faire. De toute façon, on fait ça petit à petit, on se presse pas. Il faut prendre son temps sur... Ah, les pôles acérés de Tinril, ça, attendez. Je voulais voir, parce que ça aussi, non, c'est un petit prix. Alors, Tinril, tac. Oui, 80 000, let's go. Sachant qu'on va encore en gratter avec les captures. Donc voilà, on est vraiment bien, les gars. Ok, c'est dans la one. 9 pots, donc c'est bien. Franchement, on est bien. Voilà, bon, bah écoutez, les gars, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. On aura aussi, du coup, les Minotaurs. Donc, fois 30, j'en ai plus de 30, hein. Mais on se tapera ça. Je vous fais une petite pause, là, sur Rétro, parce qu'on faisait... on avait enchaîné deux fois les Minotaurs, même si je le veux, ce Dofusport, pour en attendre un petit peu avant d'y retourner. N'hésitez pas à liker comme d'habitude. Merci beaucoup pour les soutiens, ça fait super plaisir. Là encore sur les pourpres, j'étais dégoûté, vous étiez là en mode allez les gars, merci. Donc c'est sympa, on se dit à très vite. Encore un grand merci à tous. Ciao tout le monde.